La VOD, en tout cas, je sais pas quel épisode c'est, sans doute l'épisode 14 en vrai, je pense que cette fois-ci je suis bon dans les timings. Aujourd'hui ça va être un épisode qui va être bordélique, je sais même pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un épisode entier? Est-ce que ça va être entrecoupé entre l'épisode 14 et l'épisode... J'ai aucune idée. Ok, j'ai aucune idée. Non, parce qu'on va faire tellement de choses. On va faire une énorme usine à slime. Au niveau des modèles, les gars, je sais pas. J'ai aucune idée de où ça vient. Parce que notre cher ami Steeler nous a donné un petit Discord sur lequel il y a des usines que vous n'avez jamais vues. Moi-même, je les ai jamais vues. Donc je sais même pas si ces usines ont été inspirées de modèles que vous connaissez. Ou l'inverse, que des modèles que vous connaissez ont été inspirés de ces usines-là, j'ai aucune idée de qui ça vient, d'accord? Donc on va faire les usines, peut-être vous les avez déjà vues, peut-être pas, peut-être c'est inspiré, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va faire une usine à slime, pourquoi? Parce qu'il va nous falloir énormément de slime blocks. Fait cette énorme usine pour tout simplement se préparer à faire une usine à Wither, et j'ai envie de faire l'une des plus grosses usines à Wither possible. Je voulais pas la faire, puis au final je me suis chauffé, et on va essayer de faire la plus grosse usine à Wither possible du jeu. Donc voilà, me demandez pas pourquoi je me suis chauffé à faire ça, c'était une belle idée. Au passage, regardez, dans la fois dernière on avait fait ça, on a un peu plus avancé, on a fait les pancartes où les gens sont affichés. Les subs et tout, on a commencé à faire. Donc on a commencé à afficher les premières personnes qui sont subs et tout, c'est que le début. On a omis aussi les podiums, les personnes qui sont à chaque mois sur Twitch. Je crois que là c'est les subs tier 1, le top 1, top 2, top 3. Enfin pas les tiers mais les sub gifts. Et on a aussi les beats et tout là, incroyable, c'est trop beau. Trop stylé, j'adore cette salle, elle a trop de flow, j'adore. J'ai pas vu les retours sur YouTube mais j'espère que vous allez kiffer en tout cas. Donc, et on va aller s'équiper, on va aller farmer tous les blocs qu'il faut pour aller faire cette usine à slime. On va aller dans un... On va aller dormir surtout. On va aller dans un marais, on va aller farmer un petit peu tout ce qu'il faut. Donc, let's go. Bon, de nous voilà donc dans le petit marais. On a trouvé celui-là, il est pas trop dégueu. On a surtout farmé énormément de trucs là. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, le problème, c'est que maintenant, on va falloir qu'on se débarrasse de toute cette zone. Si je me mets un peu en hauteur, je vais vous montrer exactement. En fait, attends, comme ça, voilà. Faut qu'on vire toute cette zone là. C'est-à-dire que là, faut qu'il y ait que de l'eau. Il faut qu'on vire un petit peu ici. On va mettre que de l'eau. Pareil, on va essayer de virer cette laine là, ce côté là. Comme ça, on va faire l'usine à peu près centrée ici sur quatre coins. Et s'il y a que de l'eau autour, ça spawnera rien d'autre et c'est cool. Donc bah, maintenant, on va falloir qu'on déforeste tout ça et qu'on mette de l'eau partout. Ça va prendre pas mal de temps. Donc, let's go. Bon, eh bien, de retour, on a passé des heures et des heures à tout planifier. Tout mettre à zéro, on a creusé, regardez-moi ce bordel là, on a fait une zone assez plate comme ça, et bien c'est stylé, on va pouvoir tranquillement après commencer cette une. Alors il y a plein de lilypads par contre, mais bon c'est pas grave, c'est bien. Donc on va tester avec ça, si jamais ça spawn sur les côtés, à terme on enlèvera encore plus, mais c'est déjà pas mal, ça fait une belle grande zone, regardez. Bah, c'est pas mal en vrai, ouais c'est stylé. Bah go commencer cette petite usine alors, let's gong. Et en gros c'est là où ça va être un peu le bordel, on va estimer que ça c'est le centre, on va espérer que ça va à peu près centré par rapport à ce qu'on a fait, mais c'est pas grave sinon. On va s'écarter de 17 blocs, là on est parfait, on a 17 blocs d'espace, là on va arriver sur 3 blocs d'espace entre chaque truc, et là en fait on aura la première plateforme qui va être ici. Alors on va le mettre au niveau de l'eau au passage, hein, avec 5 blocs de chaque côté. Donc tu vois, on aurait 5 blocs ici et 5 blocs là. Et là, 12 blocs en comptant celui-là. Et alors là, ça va être un peu un bordel parce qu'on va chercher l'option, on va poser les portails. Comme ça sera déjà le cas. Et voilà. Donc en gros, les portails seront à cet endroit-là. Et puis après, ce que j'ai fait là, faut le faire partout, c'est-à-dire 12 de ce côté-là aussi. Donc ben voilà à quoi ressemble la première plateforme qu'on a fait. Au passage, on utilise du podzol pour les gens qui se demandent, parce que on met des champignons dessus. Et le podzol, on peut mettre des champignons même en plein jour, ça c'est cool. On aurait pu mettre de la dirt parce qu'après, il va y avoir une énorme plateforme en slab au-dessus, mais flemme. Et voilà qu'on a fait une plateforme, faut le faire ici, faut le faire là-bas et là-bas, donc bah go faire ça, maintenant faut le faire x3. Bon, on a fait ces petites hauteurs là sur les quatre plateformes, on voit un peu à quoi ça ressemble. On va maintenant mettre des champignons pour empêcher les spawns, et on va pas les mettre partout, on va en mettre que 5 ici et 5 en diago, parce qu'avec l'allumage des portails, ça va faire de la lumière, donc ça empêchera les mobs de spawn, hein. On met des champignons pour empêcher les mobs de spawn, et en fait t'as que les slimes après qui peuvent spawn. Et vu qu'il y aura de la lumière des portails allumés, à peu près jusqu'à ici, hein, tout autour, mais là sur la première plateforme, il y aura que des champignons un peu sur l'extérieur, alors que les plateformes, il y a une autre plateforme au-dessus, là, il y en aura partout. Donc go faire ça, ça va prendre beaucoup de temps là aussi. Maintenant qu'on a mis tous ces petits champignons, ben on va monter les portails. Je crois qu'il faut faire ça, mais il faut pas mettre les diagonales, c'est-à-dire 2, 3 de hauteur sans mettre les diagonales, on les enlèvera. Et en fait le fait d'allumer les portails, il va quand même falloir mettre ces blocs là. Le fait d'allumer en fait les portails, ça va créer la lumière, et c'est pour ça qu'on a pas mis des champignons à ces longueurs là. Parce qu'avec la lumière que ça génère le portail, t'as même pas besoin en fait d'avoir tout ça. Ça crée tellement de lumière que c'est pas mal. Et voilà quoi. Plus qu'à faire ça partout. Ok, bon ben on a terminé ces petites plateformes. Pour les gens qui se demandent de passage sur la VOD, voilà quoi ça rend. Les plateformes du dessus, en fait, ici on s'arrête, c'est juste 9 de longueur par rapport à celle d'en dessous. De là jusqu'à là, t'as 9 de longueur, puis un carré, puis après c'est pareil sur les côtés. Par contre, sur celle-là, il faut mettre full champignons, c'est extrêmement cher. Hein. Il faut au total 58 stacks, voire un peu plus 59 stacks de champignons, c'est un peu cher. Mais c'est pas terminé, parce qu'en fait, ici, il manque à mettre des petites protections pour empêcher les slimes de venir sur nos iron golems qui seront au centre. Donc en gros, faire une petite structure comme solo. C'est un poil galère à faire, mais ça fait le taf. Et voilà quoi, l'usine est terminée, même s'il reste quand même l'énorme plateforme à faire au-dessus de Stone Brick. Pour vous dire, ça va être une plateforme qui va aller à 10 blocs plus loin, je pense, vers là, de chaque côté en slab, et à faire le setup de récupération, parce qu'ils vont passer dans le Nether, puis après repasser dans l'Overworld pour atterrir tout en haut. C'est un bordel. Donc ben, je vais me faire ça, et puis pour la VOD, je vous montre après. Ok, regardez, les slimes qui commencent à spawn en pente. Il y a des plateformes là-bas où les slimes continuent à spawn, ça c'est pas bon. Nous, on sera à la hauteur 187, là on est à la hauteur 180, ici. Et genre, vu la gueule des chunks, on va faire, ouais, le portail du Nether ici. Genre un truc
truc comme ça. Et tout là, regardez les slimes qui spawn en bas. Regardez. Oh, il est coincé dans le coin du portail et à un moment il va se décaler et rentrer dans le portail. Mais regardez. Oh le bordel que c'est. Alors, ils vont dans l'eau, peut-être mettre des walls sur les côtés. Ça, c'est un petit fixe qu'on pourrait faire. Est-ce que vraiment ça a de l'intérêt? Je sais pas. Alors là, ce qui peut être drôle à faire par contre, comparateur, c'est d'aller dans le désert maintenant qu'on a FK. Je m'attends au pire. Je sais pas pourquoi je m'attends au pire. Oh le bordel! Oh le bordel! Ah ouais, non mais il peut. Oh! Something shit, man! We have some problem, please! Je vous avais dit quoi, la meilleure usine à slime du jeu? L'usine n'est même pas terminée! On a un petit problème! Bon, ben au moins elle fonctionne cette usine! Fonctionne beaucoup trop, ouais. Et encore, on est en plein. Ah, on est en plein jour et ça marche en plein jour? Je suis étonné par contre là. Donc ça marche aussi en plein jour, ça c'est bien. Bon, on va préparer tous les trucs côté Overworld et on va craft la dernière truc qu'il reste à faire, c'est cette partie-là quoi. À limite, je pense qu'on va faire les gars, c'est que je vais build entièrement tout le côté Overworld. Je vais vous expliquer, c'est vraiment super simple. Hein. C'est juste des slimes qui tombent dans de l'eau et t'as un armor stone, t'as juste à les taper. Mais j'ai tout build de ça et je vous expliquerai comme ça tout comment fonctionne, mais ce sera plus simple. Bon, la VOD. J'ai pas mal taffé hors live même où j'ai fait cette énorme plateforme là en stone brick. C'était chiant à faire, c'est pour ça que je l'ai même pas fait en live pour vous dire, mais je vous le montre là. Et j'ai fait le système aussi au-dessus, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est ultra simple, genre vraiment, c'est ultra simple à faire, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez juste à faire un portail, bloqué d'un côté, hein, l'autre côté il est bloqué, il y a des blocs, mais de ce côté-là, vous laissez un d'espace, vous mettez des chests, et en fait, ici, vous mettez de l'eau dans ce chest-là, ce qui fait que ça pousse tous les slimes dans le coin inférieur, ici, sur le wall qui est là, et ensuite, après, les items, tu vois, ils vont tomber là-dedans, là, j'ai mis juste une stair, comme ça, l'eau arrive sur le côté et amène l'item ici, et voilà, franchement, c'est ultra simple. Alors, il y a un petit système ici, je vais vous expliquer pourquoi, ici, il y a un armor sun, et je pense que je vais baisser le bruit des mobs parce que ça devient un bordel. Mais en gros, il y a quoi ici? C'est même pas obligé de faire ce système là, mais en fait, vous mettez un dispenser qui met des armor stands comme ça. Vous mettez un armor stand et si vous le tapez en fait ici, ça propage les dégâts en fait. Ça crée du dégât en propagation, tu vois. Donc c'est pas mal. Ça peut être utile et comme ça, tu tapes l'armor stand et tu vois, ça tue les slimes. Donc ouais, c'est pratique. Et alors, le truc que je ne savais pas, c'est que ça fonctionne en plein jour. Je suis vraiment étonné que ça fonctionne en plein jour et c'est n'importe quoi. Donc je suis resté un peu AFK, genre vraiment maximum 30 minutes. Comment dire? Oh c'est n'importe. Vous pouvez le voir aussi au niveau des têtes, hein. Il y a 2-3 têtes de mobs, hein. J'en ai que 58. Non franchement c'est n'importe quoi cette usine. Quand je disais que c'est l'usine la plus pétée de Minecraft en termes de slime ball, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est le cas, regardez, je suis level 77. J'ai même pas FK, j'ai même pas 30-40 minutes, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Cette usine c'est n'importe quoi. Bon c'est bien parce qu'il nous fallait énormément de slime. Je m'attendais à devoir farm encore aujourd'hui et de pas tout avoir. Au final on a plus que ce qu'il faut. Donc comment vous dire que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, regardez. C'est n'importe quoi. Et ce qui est bien c'est qu'on n'a pas les grands slime. On a que les moyens et petits slimes. Non mais en fait cette usine je peux pas m'arrêter, elle est trop bien. À chaque fois que je reste 5 secondes, je suis en mode allez quelques secondes de plus et après tu te retrouves avec 38 shulkers, t'es en mode bon on va se calmer, c'est beaucoup. Et voilà, bon on va s'arrêter là parce que jamais on s'arrêtera sinon. Ben on continue, Gina Wizard, let's gong. Bon, après 48 heures de farm, non ouais ça va, c'était honnête. On a farmé un peu tout ça, surtout la redstone qui a coûté un peu cher parce qu'en gros. Pour faire cette usine à Wither qui va être très longue, on a trouvé un endroit dans le Nether. C'est la seule fois sur cette aventure qu'on s'est aidé de Chunk Base pour trouver l'endroit parfait dans le Nether. Il faut trouver une forteresse dans une Soul Sand Valley, mais qui à la fois soit en plein milieu d'un lac de lave. C'est un gros bordel. On en a trouvé, il y en a plus de 3000 blocs. Et en fait, tous les blocs qu'on a farmés là, ça va nous permettre de créer une machine qui va prendre aussi une heure à faire. Ça va être horrible. Et en gros, cette machine va juste permettre de dig, donc de creuser une première hauteur. En fait, ça va être un chunk de 12 par 12 qu'on va creuser. Et une fois qu'on aura creusé ce chunk de 12 par 12, ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire la même chose, mais de haut en bas, c'est-à-dire de la couche le plus haut, je sais pas jusqu'à où on va commencer, jusqu'au niveau de la lave. On va pas le faire jusqu'à la bedrock 00 parce qu'il y a un énorme lac de lave à virer et j'ai pas trop envie. Donc on va juste le faire jusqu'au niveau de la lave. Je crois que c'est couche 62, un truc comme ça, peut-être, je sais plus, faudrait vérifier. Et voilà, donc ça serait une autre machine qu'on fera une fois qu'on aura fait celle-là avec ces matériaux-là, donc ça va être un bordel. Mais va falloir qu'on fasse ça, donc on va se rendre à l'endroit où on a trouvé la bête de forteresse et il va falloir qu'on set up tout. Je pense pour que ce soit plus stylé, on va passer sur le toit du Nether et on va péter la bedrock. Ça peut être trop stylé. Donc je vais aussi préparer ça et je crois que j'ai un peu. Ah, j'ai pas TNT. Oh, faut qu'on aille farmer la TNT pour péter la bedrock. Let's go. J'avais oublié ce problème, on a cassé la bedrock, mais il y a encore un bloc de bedrock en dessous. J'avais oublié qu'il fallait choper le bon bloc. Oh, trop chiant. Comment on va faire ça? Faut que je creuse énormément. J'avais oublié ce problème là. Oh, damn. Oh, c'est du 100%. Oh, il y a l'air d'avoir beaucoup de blocs à creuser là. 4 faits, 4 fois du premier coup. Et donc normalement, si on s'est pas fail, c'est sur ce bloc là de bedrock. On est parfaitement centré sur le bout de l'usine qui est ici.
Ah, c'est vrai que j'avais plus des traces, c'est vrai que c'est un peu dangereux ça. Bon, pour les gens de la VOD, alors déjà on a réussi à mettre Lightmatica en 1.20, ça c'est incroyable. Mais surtout, c'est cette machine là qu'on va faire. Alors, pas sur le haut de toit de la Bedrock, ça n'a aucun intérêt, on va le faire en dessous de la Bedrock. Et c'est la première machine qui, comme je vous ai dit, va dig en fait toute une line. Mais en fait, pour la faire, déjà, elle va être plus bas, elle va être sous la Bedrock. Et le souci étant que va falloir creuser beaucoup, va falloir creuser beaucoup, va falloir creuser déjà pour qu'on puisse installer la machine déjà et la build. Et va falloir creuser jusqu'à 10 blocs devant à peu près. Donc, genre, on est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près jusque là. Donc, ça va faire beaucoup de choses à creuser, mais c'est ce qu'on va faire. Et en fait, une fois qu'on a setup cette machine là, elle va avancer. On aura juste à cliquer sur le. Mais où est-il ? Ah, il est là. Bon, il est absolument pas centré, mais c'est pas grave. Ce bloc là de notre bloc, quand on va cliquer dessus, la machine va avancer d'un cran et va mettre des TNT. Donc, ben maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la machine. Là, elle est à cette hauteur là, je vais la descendre le plus bas possible. Hop. Et maintenant, ben, on va aller côté réellement côté Nether. Et maintenant, il va falloir creuser à la main tout ce bordel. Donc, ça va être un peu long. Et donc, normalement, si on s'est pas fait, voilà l'usine. La machine qui va falloir faire à peu près à cet endroit là. Et si on se trompe pas, elle va dig en fait. Bon, pas à cette hauteur là évidemment, mais à cette position là, elle va dig tout droit. Et bah voilà quoi, c'est la magie. Nous on fera notre usine centrée, je crois, ici précisément. Et là on va dig tout ça quoi. 6 chunks de ce côté là, 6 chunks de ce côté là, ça va faire un 12 par 12, un 12 par 12 chunk. Ce qui est pas mal. Maintenant, go se mettre le plus haut possible ici et aller tout simplement faire cette machine et tout creuser. Ça va être long ça. Donc en gros, on aurait la machine qui soit là. Bon, évidemment, il faut qu'on creuse intelligemment. Il faut qu'on creuse la forme de la machine. Donc là, ça va être un peu galère. J'ai de trouver dans quel sens on est. Ça va être un gros bordel. Je vais quand même aller récupérer mes blocs de... Salut frérot. Alors oui, c'est un problème de passer par là. En fait pas, j'étais thème. Hein. Oh non! Non! Plus sauce! Non! Pas tuer l'aventure! Non! Aïe 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 aïe! L'aventure qui s'arrête sur ça! On n'a pas fini, on n'aura même pas réussi! C'est la fin! Après tant d'années, l'usine à slime qui nous aura tués! L'usine ultra performante nous aura tués! L'aventure qui se termine! Oh, c'est dur! Mais l'aventure doit s'arrêter ainsi! C'est une fin qui doit. On doit quitter l'aventure. Le destin nous attendait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une aventure qui se termine. Ah, par contre, oh, la fin de l'aventure. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Fallait s'y attendre. Par contre, j'ai vraiment mal joué à ce niveau-là. En vrai, honnêtement, bon, c'est pas grave. On aura fait combien? Quasiment 400 jours. Bon, c'est pas ouf. Mais on sera mort à cause de notre propre usine qu'on a build hier. Elle était, hey, je vous l'avais dit, elle était trop performante. L'usine, elle nous a tués. Usine beaucoup trop performante, elle nous a tués. Ben, au moins, ça conclut l'aventure avant la sortie de la 1.20. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.